Bonjour à tous, Iris Vincent, on se reprend la suite de nos Ça devrait te aventures. rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du XIVe siècle. Sur Tu es Assassin's hors Creed des murs de Unity. la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer. Ah. Donc, du coup, nous sommes dans une faille temporelle. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Je suppose qu'il faut monter là-haut pour ensuite pouvoir attendre la corde. Voilà. Ok. Ouh là là. Attendez. Ok, par contre ça. Cette simulation est en train de se décrire. Trouve la sortie, vite! Voilà. Parfait, apparemment la sortie me semble être ici. Ou pas. D'accord, donc maintenant on va escalader le pont. C'est parfait ça, faut traverser la bataille. Tu y es presque. Oula, oula là. Suis ma voix. Trouve la sortie. Vite. Voilà, ça c'est fait. Alors la passerelle a été passée. Ok, initié, finissons-en. C'est la dernière ligne droite. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel? Robespierre.
Que se passe-t-il? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée « Fête de l'être suprême ». Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan? Penser comme un Templier. Incroyable! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. À quoi ça rime, tout ça? Vive Robespierre! Mais est-ce que c'est bravo! Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau! C'est quoi le but de tout ça? Au point d'en devenir grotesque. Maintenant ? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême... Si on parvient à le discréditer, c'en sera fait de lui. Et quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Ok, donc c'est reparti. J'espère que les hommes furies vont pouvoir nous aider. Parce que là, très franchement, je suis bloqué. C'est un peu embêtant. Il voit dans ce moment... Décréta la réclamation et à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Alors j'espère au moins que ça va avoir l'effet escompté. Donc ils sont trois personnes en furie, ce qui est plutôt pas mal. De l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice. Il a créé l'univers. Trop facile. Il a créé les hommes pour s'aider mutuellement et pour arriver au bonheur par la beauté avec alors, oh! C'est parfait ça! Allez, s'il vous plaît, entretuez-vous tous! Après, je me demande si j'aurais pu pas utiliser qu'une seule âme furie, mais vu la vie qui leur reste. Au moins, ça fait le ménage. Il faut rester à côté parce que sinon ça désactive le pouvoir de la lame. Et là-bas ils sont encore deux donc. Pour vraiment assurer la chose, je vais attendre. Ok. Il est parti, génial. Alors. Allez, c'est bon, tu peux descendre. Voilà, parfait. Des preuves incriminantes. Je dois trouver.
Merlin, Talien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Une nation entière, opprimée avec tous les oppresseurs du genre humain, suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever la pensée et ses voeux. D'accord, donc juste ça, ça suffit. D'accord. On va quand même saboter la cloche pour le 100%. Voilà. Parfait. Nous, on va pouvoir faire tranquillement. Bon, bah ça va. On avait juste à être patient. Enfin, ça a quand même mis 3 bonnes minutes, mais bon. Alors ? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Ouais. Alors je vais me faire tirer dessus à peu près tout le long. Des poignards, des fanatiques. Poisson. Éviter que Ellie soit détectée. Armée. Des poignards, des fanatiques, des poisons, des bêtises. Hey. Bonjour. Assommer les gardes qui approchent. Ah. Bah tant pis. Voilà. Ouh là là. Aïe. Non, ça va être échec. Ok, parfait. Aïe. 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 Ouh là là. Donc là, on me demande d'être anonyme. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Ça, je suis pas sûr. Ok, donc on se retrouve avec plein de gens parce que c'était rechargé et que voilà, la magie. Mais c'est bien erreur sur la liberté et la clémence, alors que l'on guillotine des gens par milliers. Si Danton était encore en vie, il serait tout frais de chagrin. Permettez, monsieur. Je vous en certainement. Vous n'allez pas me soulever. Bon, tant pis. Je vais voir les interactions, mais apparemment j'ai pas le droit. Bon. Les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner. Il n'est pas en leur pouvoir de vous anéantir tout entier.
tu peux concevoir encore des autres. Regardez le chef pavané se reliquer. Quelqu'un va vous entendre. Mais combien même Robespierre est populaire ne serait pas un dieu. Mais il ne peut rien contre moi. Pourtant, peu m'importe les pourtant, le changement s'est passé. Il suffit pour une maison. Là, dans votre poche. Compatissant envers les malheureux, inexorable envers les méchants, juste envers tout. Mon dieu, donne-moi. Le conjoint doit sur une prospérité sans mélange et sur des triomphes sans obstacle. Ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité de Dieu. Soyons graves et discrets dans nos délibérations, comme des hommes qui stipulent les intérêts du monde. Ok, le dernier, il a l'autre bout. Bon. Normalement, j'ai le droit de passer par ici quand même. C'est pas un crime. Voilà. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers. Voilà les ennuis. Patients dans les travaux. Terribles dans les revers. Modestes et vigilants dans les succès. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Que la nature reprenne donc tout son éclat. Que la sagesse, tout son empire. L'être suprême n'est point anéanti. Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Conduite inconvenante, moi. Cela devrait faire bouger les choses. Qui se prend-il? Qu'y a-t-il, monsieur? C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir... Une liste d'ennemis de la Révolution? Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Oh, c'est parfait, ça. Mission complète. Ok, donc c'est reparti. Donne-moi un nom. Mais... Bonjour, arrêtez d'importuner cette personne. Vous avez toute ma reconnaissance, mille merci. De rien, tu fusionnes avec moi. Alors, la prochaine mission, je pense qu'elle est quand même assez importante. Donc, je pense que je vais faire un épisode vraiment très court. Donc, après, en fonction du temps, etc., de la vidéo, ça sera peut-être pas forcément vendredi que ça va sortir. Mille merci. Mais c'est pas bien grave. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode avec Robespierre. Allez. Salut tout le monde, à la prochaine, c'était Iris21.